Liste différente, de midi 15 à 13h. Je ne serai pas tout seul puisque je suis accompagné de mon acolyte David. Tout à fait, bonjour Alain, bonjour les auditeurs, ça va? Comment ça va? Bah moi écoute, ça va, très bien. Je pense qu'on va vivre un beau moment un musical bon moment jusqu'à 13h, en direct en radio et en Facebook Live. Il y a du monde, on a agrandi les murs pour accueillir tout le monde, mais qui on reçoit aujourd'hui? Alors aujourd'hui on reçoit le DMT, donc comme tu disais tout à l'heure David, le Département des Musiques Traditionnelles et des Chants Polyphoniques Océaniens. Donc on va voyager programme. Aujourd'hui, tout un programme exactement. Donc voilà, de la musique et rien que de la musique, de la poésie, enfin on va voyager, ça va être un grand voyage aussi aujourd'hui. Alors on a eu la chance d'écouter les balances tout à l'heure, ça va envoyer du lourd, c'est de la poésie musicale. C'est en prévision du spectacle qui va avoir lieu ce vendredi du côté du conservatoire. Exactement. L'arbre et la pirogue, c'est ça? L'arbre et la pirogue, donc Juan Boirola, si mon accentuant c'est ça, bah, Juan Boirola. On va en parler, en tout cas, nous ensemble jusqu'à 13h, donc j'ai envie de dire le cercle de midi. C'est parti, on y va. Wow. Alain et David. Alain et David, le live. Le live sur la première. Donc on a le DMT, DMT-CPO, on est en compagnie de faut savoir que c'est des professeurs, des kmitistes, des dumistes, donc voilà, on vous laisse... Des vrais musiciens. Des vrais musiciens, exactement. Enfin, qui nous viennent du Nord et de milieux mais... différents, donc voilà, de différentes communes du Nord et aussi des îles, tout est représenté. On va en parler, etc., on va faire connaissance avec vous, mais moi j'aimerais bien, si c'est possible, là, bien sûr, David. Mais qu'on parte direct en musique, après on se dit bonjour et comme ça on sait de quoi on parle. Voilà. Comme ça, les auditeurs vous découvrent, moi en même temps, je vais découvrir en même temps. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'être là, c'est un réel plaisir. Donc, On démarre avec le morceau qui est Juan Boirola, justement, qui sera joué au Conservatoire de musique ce vendredi à 19h30. C'est parti. Allez, c'est parti. Bravo le DMT. Belle entrée en matière. On est ancré, ouais. Chop,
chap. Pile chap, et aïe, pilou, one more la. Bravo. Alors, Juan Boirala, je le prononce Juan bien. Juan Boirala. Donc, c'est un extrait en live du spectacle qu'on va pouvoir découvrir, L'Arbre et la Pirogue, du Conservatoire de Musique de Nouvelle-Calédonie, donc à Nouméa. Bravo, félicitations. Merci, Vincent, merci. Ça merci, emmène, ça embarque. Ah ouais, alors, 100% pays, des musiques traditionnelles encore, on sent le... Oui, en version tchap. Donc super, bravo encore. On aurait donc, dit du jazz un peu. Enfin, ouais, moi, je sais pas. C'est un mélange de tradition et de modernité. Il y avait exact, un peu de jazz, David. C'est ça aussi. Je t'aurais bien vu avec le sax. Ouais, c'est ça. Je t'aurais bien vu avec le sax. S'embarquer, envie quoi. De jouer, danser aussi. J'avais envie de continuer. Ouais. Continuez, ouais. Les gars, c'était trop bon. Pourquoi vous êtes arrêtés? Parce okay, qu'on a quand même des questions à poser. Voilà. Donc, Juan Boirala, c'est en quelle langue, les garçons? Ou les filles, il y a une dame. Ou les filles aussi. Il y a une dame. N'hésite pas. Marcel. Ah, où? C'est qui le porte-parole déjà? On l'a même pas désigné. Tu vois. Je crois que c'est Mignon. Je crois que c'est toi. C'est un peu tout le monde en fait. Ouais. Tout le monde prend, peut prendre la parole. Ouais. Peut-être rapprochez-vous alors, du micro. Ouais. Micro ouais. Merci. Du coup, one, fouin. One, c'est en fouin. Donc c'est en fouin. D'accord. Et qui veut dire l'arbre et la pirogue. Hein la c'est racine. Ça. La racine. La racine. Plutôt. One. D'accord. Alors fouin, c'est une langue qui vient d'où? De Yengen, hein du Nord. Yengen, d'accord. D'accord. Super. Okay. Donc c'est le titre donc Juan Boirala qui sera joué au conservatoire, c'est le titre en fait du spectacle qui sera joué. Et donc en foin I, vous chantez aussi en plusieurs langues les garçons, comment ça se passe Et la fille. Et la fille aussi, ben oui. Oui, il y a parité, t'inquiète David, j'ai pas oublié hein. On essaie de chanter un peu toutes les langues du pays, voilà. Quoi. Ça dépend d'accord. De chacun de nous qui sommes là. D'accord. Chaque chanté dans nos langues, du coup, comme tu as dit, on est d'origine un peu de partout dans le pays. Du coup, on essaie de chanter toutes nos langues. Mais qu'est-ce qui vous unit, du coup? Si vous arrivez de partout, etc., qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez autour des chansons? C'est quoi votre unité? C'est la musique. Quoi. C'est la musique, okay. Quoi. Mais, ouais. Qui dirige le collectif? Sur le DMT, vous avez un responsable qui dirige le collectif en fait, du DMT? Oui, Et depuis quand il existe? Oui, il existe depuis... C'est un département du conservatoire. Oui. D'accord. DMTC. Ok, d'accord. Super. Il faut savoir aussi, David, que ce sont essentiellement des artistes aussi. Ce sont aussi des profs issus de la FMI. D'accord. Fait, okay. Donc voilà. Donc de différentes communes du Nord, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et voilà, ce sont des professeurs de musique aussi. Donc, qui sortent essentiellement de cette association, la FMI, qui est l'association des formations des musiciens intervenants, des dumistes également.
Donc voilà, ils travaillent. C'est un département en fait qui, en fait, ils sont décentralisés un peu tout dans le nord, dans la FMI. D'accord. Okay. Donc, voilà. Et là, vous êtes réunis pour proposer ce spectacle, donc l'Arbre et la Pirogue, qui va être au Conservatoire ce vendredi. On va en reparler, mais déjà juste dire que on va réécouter un autre morceau, mais juste présenter pour les auditeurs. Alors ceux qui nous regardent en Facebook Live le voient très bien, mais là on a deux guitares sèches. On a, vous chantez tous, hein, vous faites tous partie de cette chorale. On a entendu, il y a le whistle, il y a un caron sur lequel il y a une guitare et une basse, pardon. Il y a un caron. Et puis, il y a des instruments qui ont une espèce de cucurbitacé de percussion. C'est ça. Qu'est-ce que c'est ? Les fougères, j'allais dire. Alors, les fougères aussi, mais ça, c'est ce que vous et avez là, dans la main. C'est quoi, ça ? Marcel ? C'est ce qu'on appelle... C'est... On appelle ça le AEB. Ouais. AEB qui est fait de feuilles. De feuilles et de... Comment... D'écorce des feuilles de cocotier. Mm-hmm. Pour attacher le tout. Ah, c'est vraiment artisanal, voilà. Quoi. C'est ça. Vous pouvez jouer juste seul pour que les auditeurs puissent se rendre compte de ce que ça... Ouais, ça sont bruts, quoi. Alors, on a le AEB qu'on peut trouver sur les îles et dans le nord avec les Buenjep, les garçons, ouais, c'est ça, c'est ça. Excellent. Qui est fait avec, à base d'écorce. D'écorce de figuier. D'accord, et de figuier, voilà, c'est ça. Très, très bel ensemble, très en tout riche. Cas très agréable à écouter. Et moi, je propose, on rejoue un morceau, puis après, on vous expliquer ce que c'est les feuilles. Carrément. D'accord. Pas de soucis, David. Et puis aussi... on continue avec le deuxième morceau, le DMT. Le DMT est avec nous, le département des musiques traditionnelles du chant polyphonique océanien. Qui va nous faire un pilou pour Ereche. Ok. Pour Ereche. Excusez-moi pour. Attends, je vais essayer, tu vas voir, ça va te décomplexer. Pour Ereche. C'est ça ? Un petit big up aussi à Vincent qui est à la technique. Donc, Vincent Rigaud à la technique avec Guillaume Hollène. Merci pour le travail. Exactement. On est encore ensemble pendant 30 minutes en live avec le DMT CPO qui nous vient du Nord. Et puis en Facebook Live, vous pouvez commencer à jouer. Je me tairai dès que vous aurez commencé. Donc si vous voulez que je me taise, vous n'avez qu'à jouer. C'est parti, on y va. Ayo,
ayoyi de vemenya oleni japugen ayoyi ayoyi weya ayawe ayawe ae ae a Merci. Ouais, merci beaucoup. Ouais, quel voyage, ça embarque. Transporté. Ouais. Ouais. Embarqué. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson? Alors, en quelle langue elle est? Qu'est-ce que ça raconte? Qui veut nous faire part de ça? Alors, c'est... C'est en langue tchatch. C'est un peu les différents... C'est aussi Dienguen, je crois? Non, ça c'est Pueblo. Pueblo. D'accord. C'est la langue de Pueblo. Ça parle un peu de... Différents rythmes traditionnels qu'il y a. D'accord. Y a le pilou, le nen, les rythmes. D'accord. Ça parle des rythmes traditionnels. Tous les différents rythmes de pilou qu'on trouve dans la région. Ah, d'accord. Ça fait une chanson pour... Super. Un grand frère là-bas, Pueblo, qui a écrit. D'accord. Différents rythmes de pilou, en fait... Voilà. Jouer là aujourd'hui. Ouais, ok, super. Ok, et oui, pardon, ouais, je t'en prie. Pour revenir au spectacle L'Arbre et la Pirogue, qu'est-ce qu'on va voir exactement en venant vous voir? Là, c'est des gens qui nous écoutent, qui ont envie de prendre leur place ou de venir vous rejoindre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de... Ce qu'on va présenter en bas au conservatoire, c'est tout ce qu'on a dans nos paniers de chaque endroit d'où l'on vient. Et montrer et partager surtout. Partager, donner... Et c'est surtout parler de la terre, parce qu'on vient tous de la terre, c'est ça. On mange ce qui vient de la terre. Et c'est de revenir un peu aussi, rapporter les choses importantes et simples et essentielles à la vie aussi. En gros, c'est ça, le chant, dans la danse, enfin, il y a plusieurs panels qu'on va montrer. Donc ça, c'est le message que vous portez finalement, vous apportez la spiritualité du Nord, là au conservatoire, ce vendredi soir, sous forme de chant et de théâtre aussi un petit peu. Comment ça va être présenté sur scène? Voilà, c'est un peu ça. C'est, surtout, c'est une histoire. C'est une histoire, voilà. Notre façon d'expliquer, enfin, on dit voilà, le panier, le chanter, mais c'est la vie, au fait. Hein. On va par les chants, on raconte la vie, du coup, c'est la façon de vivre, de présenter les différents rythmes, les différents manger, le différent, c'est tout ce qu'il y a dans le chant, en fait. D'accord. Facile à transporter, mais c'est surtout pour la vie, représenter la vie, super, en fait. D'accord. De la maison, de chacun de nous, super, d'où l'on vient, surtout. Ça va être un très beau moment. Bois Noirala, c'est du coup l'arbre et la pirogue, on sent le lien entre la terre et la mer aussi. C'est deux éléments que vous expliquez aussi à travers l'histoire, la trame que vous allez jouer, expliquer au conservatoire. Super, donc chers auditeurs, n'oubliez pas ce vendredi, prenez vos places parce que là, ça mérite d'aller assister, de les écouter. Merci les DMT. On continue avec le troisième morceau, donc qui sera Nari Upuara. Yes, okay. Le DMT CPO est toujours avec nous sur la première encore pendant 20 minutes. Asseyez-vous, montez le son, écoutez-nous. On part en voyage avec cette troupe. Il est 12h38, on est encore ensemble pendant 20 minutes. Donc profitez-en, laissez-vous bercer. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook également. Thank you.
Merci, c'est magnifique et vous êtes magnifique. Merci Marie beaucoup. Wow. Voilà. Ouais. On s'en transportait avec la flûte. On dirait que je suis parti du pays pour aller dans les frontières du Zimbabwe. Je te rassure, t'es avec moi. Je suis toujours là. Ouais, l'apparition de la flûte sur ce morceau. Alors, c'est vrai que nous, on est à quelques mètres. Vraiment, on en prend plein les yeux, mais on ressent vraiment quelque chose de physique. C'est très beau. J'espère que vous, chers auditeurs, chères auditrices, vous ressentez la même chose. Et puis aussi sur les internautes, hein, si vous nous regardez sur Facebook. Donc, justement, le DMT, vous représentez un petit peu la voix du Nord, oui, comme un moyen aussi de transmettre aussi, parce que c'est vrai qu'en tant que groupe de musique, il y a certes, oui, des groupes de Kaneka, mais c'est aussi votre devoir du DMT de représenter un petit peu le patrimoine aussi matériel, un peu, de sauvegarder matériel, un peu. Matériel. D'accord. Répertorier un peu tous les chants qu'il y a, puis chanter. Mmh. Oui. Ouais, au-delà de la mission artistique, il y a une vraie mission culturelle et presque anthropologique, j'imagine. Là, le chant qu'on vient d'entendre, qui l'a écrit ? C'est un travail qui a été fait avec les élèves de l'école primaire de Ponérimouin. Ah ouais ? On a fait un travail sur les plantes endémiques, et puis voilà, on a fait composer avec les enfants. L'arbre, il a besoin de quoi pour bien grandir ? Ils ont dit un peu toutes les choses que la plante, elle a besoin pour... Mmh. Il y a donc un travail éducatif aussi, voilà. Parce qu'en collaboration avec les enfants d'une école primaire de Poigny-Mi. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson ? C'est voilà, la plante. Ouais. Le titre Nani Upana, c'est la plante. Okay. Puis, c'est une belle plante, en tout cas. Voilà. Musicalement parlant. Ouais. On a fait avec les enfants, c'est...
c'est de chercher ce que la plante elle a besoin pour. Puis dedans, on dit, oh là, elle a besoin de, du soleil, elle a besoin de boire de l'eau tous les jours, elle a besoin de la bonne terre. Du coup, c'est ça, après les enfants, ils chantent, mais ils savent aussi. Comme nous, en fait. Hein. Voilà. C'est ça. Il y a un travail de transmission. Qui, nous, on est tous pédagogues, on travaille tous avec beaucoup de public. Du coup, il y a un travail de transmission qu'on fait, répertorier, transmission, plus création aussi. On est beaucoup plus dans la création. Plus dans la création, exactement. Pour rendre accessible les choses. Puis, comment on crée, voilà, c'est un mode de... Ouais, vous captez un petit peu ce que vous ressentez sur le terrain, que vous allez cueillir finalement, voilà. Vous le transformez en chanson et en musique, et ensuite vous allez venir nous le déployer, nous le proposer comme ça, à la cueillette finalement, au conservatoire ce vendredi. Quoi. Super. C'est important aussi, les garçons, en fait, en tant que... Alors, parlez aussi de votre parcours, parce que c'est des mythistes, des dumistes aussi, qui viennent de... Donc voilà, ils sont issus de la FMI, en fait, comme je disais tout à l'heure, David. Ouais. Et c'est aussi leur devoir, justement, d'ailleurs, un coucou au passage à monsieur Guarez, donc à Alain Guarez, qui j'espère qu'il nous écoute, là. Donc aussi, l'association des musiciens intervenants. Donc voilà, ils interviennent un peu tous dans le Nord. Donc la FMI est décentralisée dans toute la Calédonie ainsi qu'aux îles Loyauté. Et donc voilà, le but c'est aussi de transmettre. Ouais. C'est important parce que bah, déjà pour le DMT, c'est aussi un moyen pour sauvegarder le patrimoine immatériel, comme on disait tout à l'heure. Et surtout parce que les choses se perdent peu à peu finalement. Vous avez aussi cette impression-là aussi, les garçons. Oui. Donc pour vous aussi, c'est votre devoir de garder, de transmettre aussi. Ouais. Exactement. Ok. Le pasteur Honoré aussi, qu'on l'a invité mardi dernier, faisait partie aussi. Donc en fait, c'est ouvert à tout le monde. Et est-ce que c'est ouvert à tout le monde, justement, pour les gens qui ne savent pas chanter aussi? Oui, oui, oui. C'est les portes sont ouvertes. Il y a la chorale Willou, il y a... Willou aussi, il y a, nous, on fait partie. Il y a, en fait, le DMT, après, il a fait... C'est un travail de pépiniériste, comme Thierry le dit toujours. D'accord. On plantait, puis ben, nous, on est les arbres qui ont donné encore des fruits. Ça continue de... Du coup, il y a la chorale Willou, il y a KNK. Mais la chorale Willou, il y a la chorale Willou, on chante beaucoup, beaucoup. D'accord. De chants. Ça, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut... C'est au-delà de la musique. C'est... D'accord. Et physiquement, super. Vous êtes situé où du coup? Ce que vous dites, c'est ouvert à tout le monde. Vous êtes à Koumak, à Ouégoua, vous êtes où? Sur tout partout dans le pays. D'accord. Ça dépend. Donc on cherche l'antenne à la FMI la plus proche et on tape à la porte, c'est ça? Non. Pas forcément. Non. Alors on fait comment? En fait, on est plus connectés. On se connaît déjà, du coup, on se trouve pas. Mais vous dites que la porte est ouverte à tout le monde, mais ça veut dire que si on a envie de vous rejoindre pour participer, comment on fait? Le réseau, on les contacts, on fait du... Il y a un réseau déjà, sociaux, on connaît plein de gens, du coup, on connaît plein de gens aussi. Et puis après, c'est du bouche à oreille, on invite les gens qui... Événements, festivals de la rêve, les trucs comme ça. D'accord. Les festivals. Il y a des grands événements aussi, qui sont mis en place par le mouvement. Où on invite, voilà. C'est ouvert, où on invite beaucoup aussi les gens lors des grands événements. Bah, comme vendredi, justement. Comme vendredi. Il va y avoir la partie concert, théâtre, chorale, etc. Mais aussi le moment rencontre pour discuter avec vous et pouvoir intégrer le réseau si on a envie. Quoi. Voilà. Ok, super. Super, merci le DMT. On enchaîne avec le quatrième morceau, si vous voulez bien. Merci. Et prenez déjà dans votre agenda, 19h30, au Conservatoire de musique à Nouméa, le spectacle, Juan Boirala. J'ai bien prononcé? Oui. Pardon. Juan Boirala, explique bien. Juan Boirala, les garçons. Le DMT en direct sur les ondes de la première. Du plaisir pour les oreilles et du plaisir pour les yeux sur la page Facebook de Nouvelle-Calédonie, la première. On est ensemble encore pendant 10 minutes.
Awenei, Awenei, Bwani, Awu, 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 Kushnel, Awenei, 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 Bwani. Excellent quoi. Kushneo, qu'est-ce que ça veut dire Kushneo? Ma nature. Ma nature. Encore, on est toujours en lien avec l'esprit, avec la Gaïa, nature, quoi. Les éléments naturels, la forêt. En tout cas, ça sera un super voyage. C'est hyper puissant, super hyper vendredi. Profond quoi. Ça vraiment, ça dynamise. Alors, qui est Miou? C'est moi. C'est qui? Alors, il y en a qui balancent. Hein. Sur la page Facebook, n'hésitez pas à commenter. On nous dit, donc ça, c'est Wakitin Homere. Ah oui. Oh mon frère Miou, gros bisous, je suis trop fier de toi. Bisous mon petit frère à moi. Et c'est suivi de plein d'emojis avec plein de cœurs, etc. Il y a Louisa Pidja qui dit, vous êtes une équipe formidable. Merci pour votre volontarisme et disponibilité pour la transmission. Bonne continuité. Continuation à vous, et après ça fait des emojis qui font comme ça, ouais, ils sont balèzes et tout quoi. Ils sont trop forts. Ah, bonjour, ouais. À eux, bonjour à eux, bonjour. Super. Bonjour les... C'est transmis en tout cas aux auditeurs. En tout cas, on passe un bon moment, super. Merci ouais, EDMT. Merci beaucoup. C'est presque la fin de l'émission, il nous reste juste 5 minutes. On les passe en musique ou on blablate? C'est comme vous voulez. On continue avec, je crois qu'ils ont une dernière chanson avec un dos. Je pense que ça va être, on va finir en beauté. Alors juste, est-ce que vous savez comment on fait pour prendre les places? C'est directement sur place au niveau du conservatoire, vendredi à 19h30? Oui. Au conservatoire ou sinon sur e-ticket. D'accord, sur internet, vous tapez le spectacle, il était partagé sur notre page NC La Première Radio, sinon vous appelez directement le conservatoire, ou vous allez là-bas vendredi soir et en espérant qu'il reste des places, et puis sinon sur la plateforme bien connue, machin, ticket NC. Hein. Voilà. Des actus prochainement pour le DMT. On peut aussi se retrouver le 7 mai à Vaux, au chapiteau, le grand chapiteau. Le 7 mai, c'est bientôt. Vous nous le redirez, puis on aura l'occasion de le redire dans diverses émissions. Mais d'accord. Du coup, ce vendredi, le 29 avril, et puis le 7 mai à Vaux. Même formation avec toujours le. Ouais, toujours pareil. C'est ça. Là, vous êtes au complet? Ah non. Non, vous êtes combien sur scène? L'équipe qui sont en bas. C'est le grand département, c'est toute la province nord qui est représentée. Il y aura de la place pour les spectateurs quand même, ou il n'y a que les musiciens? Alors, je pense qu'il y en aura pour tout le monde. Alors, juste, je vous indique, vous allez repartir en musique, et puis ça sera on se dit au revoir maintenant, et puis on terminera à 13h pile, on vous coupera, et voilà, ça sera la fin de l'émission. Voilà. Donc, déjà, on peut faire le teasing pour la semaine prochaine, peut-être. On peut faire le teasing pour la semaine prochaine, oui, David. Donc, mardi prochain, on accueillera Ticia, ici à la même place, de midi à 13h. Non, de midi 15 à 13h. Encore de grands. De grands moments en perspective. Voilà, c'était un réel plaisir de vous recevoir. Le DMTCO, le Département de Musique Traditionnelle et Chant Polyphonique Océanien. Et puis, pour aller plus loin, on vous retrouve ce vendredi du côté du Conservatoire. Merci beaucoup, Alain. Merci, David. C'était un plaisir de partager encore l'antenne avec toi. Et merci beaucoup. Merci et merci au DMT. Et on vous laisse finir en musique. Chers auditeurs, chères auditrices, on vous souhaite un bel après-midi sur la première. Et on vous dit à demain. On vous laisse avec le DMTCO. Wow.
Merci à vous. Beaucoup. Merci le DMT. Incroyable moment musical. C'était une belle découverte pour moi. Est-ce que vous avez passé un bon moment, vous? Oui. Ouais. En tout cas, nous, on était très, très contents. On a voyagé aujourd'hui. Ouais. Wow. On était vraiment très contents de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, puis, Mio. Merci, le DMT. Merci. Ouais. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et on vous dit à bientôt. Vendredi. Dans le pays. Et à vendredi, ouais. On a Marie-Laure Ukeway qui nous dit bonjour tout le monde, on sera là nous vendredi. Bonjour, bon courage et merci pour ce travail de valorisation et de transmission. Donc le rendez-vous est pris. Soit on achète les billets en ligne, soit on va directement au conservatoire. Merci beaucoup le DMTCO d'avoir été avec nous. Au revoir. Ciao, bye. Et voilà, le cercle de midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Là, vous l'a dit, la semaine prochaine, même heure, même endroit, ce sera Ticia qui prendra place derrière ce micro avec sa guitare, on l'imagine. En attendant, on continue sur la première avec à 14h, c'est hashtag ma parole, 15h, silence ça bouge avec Gloria. Et en attendant, musique. Ciao, bye, à demain. Le cercle de midi. Le cercle.